Good morgen, allez, Iden, et ce soir aujourd'hui, le Nishma, Janine Rude, Bat Fortune, Mazal Fritna, allez, Achaya, Bat Mazal Tov, Lucien Batrina, et Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions Maseret Gitin, Perek, Hey, Mishnah Tet, Mash'elet Isha, la Chaverta, Achashuda, la Shvit, Napa, Ukvara, Verechaim, Vetanur, Avalotavor, Velotitranima, Eshetraver Mashelet Leeshet Amaretz Nafa Ukvara Uboreret Vetochenet Umrakedet Ima Aval Mishetatil Lamaim Lo Tiga Ima Lefishet Machzikin Yede Ovrei Avera Vecholan Lo Amru El Ami Pneder Keshalom Machzikin Yede Goim Bashviit Aval Lo Yede Israel Veshoalin Bishloman Mipnei Darke Shalom. Et dernière Mishnah sur les Darkei Shalom, les différents décrets et bonnes conduites et tout ça instaurés, avec à présent un nouveau sujet, Mash'elet Isha Lechaverta, une femme pourra prêter à sa voisine, à son amie, sa voisine, Achashuda la Juite, sa voisine qui est soupçonnée de transgresser l'interdit de Juit, de Shemitah, elle peut lui prêter Napa Ukvara Verechaim Vetanur. Quatre ustensiles. Napa, c'est un tamis. Kvara, c'est une forme aussi de tamis, mais un peu différente. On utilise ça plus pour, au contraire, faire tomber. C'est dans un tamis, en général, on fait tomber le bon et on garde l'obsolète en haut. Nahon, on garde le quand il y a des impuretés. C'est aussi une forme de tamis, en tout cas, ça fonctionne à l'envers avec des trous un peu plus gros. Au contraire, on fait tomber les petites pierres pour garder en haut les petites impuretés, pour garder en haut, au contraire, le blé. D'accord? C'est le même principe en tout cas, donc c'est deux sortes de tamis, on va dire. Verechaim et un moulin, Vetanour et un four. Soit, en fait, on a une femme, Tzadika, Eshet Raver, qui a sa voisine, que on peut le soupçonner. Ils ne sont pas néhémanim à la Shvit. Ils ne sont pas, c'est pas des gens crédibles sur la Shvit. Ils ont probablement, ils gardent chez eux des fruits, des légumes qu'on n'avait pas le droit de manger, d'utiliser. D'accord? C'est pas des grands pointilleux sur la halakha. Et malgré tout, la Mishnah me dit, ben tu sais quoi, elle vient, elle te tape à la porte maintenant, elle demande, est-ce que tu peux lui prêter un tamis? Est-ce que tu peux lui prêter un moulin ou un four maintenant? Tu dis, logiquement, c'est pour transgresser, pour utiliser sur des aliments interdits. Donc en fait, je suis en train de l'aider à transgresser son interdit, puisqu'elle est en train d'utiliser, de manger des aliments qu'elle n'a pas le droit de manger. Elle n'a pas le droit de préparer, on n'avait pas le droit d'avoir les fruits de Shemitah, les récoltes de Shemitah, de les garder, de les consommer, et tout ça. Malgré tout, elle a le droit de lui prêter, à cause de Darkei Shalom. Aval lo tavor, mais par contre, tu lui prêtes l'ustensile, mais tu ne vas pas l'aider pour trier, velo titran ima, ou bien pour l'aider à moudre avec elle. D'accord? Elle a besoin de te taper à la porte, elle a besoin d'ustensile. Tu lui prêtes l'ustensile, on tolère, à cause de Darkei Shalom, pour la bonne entente avec les voisins, mais tu n'as pas le droit de l'aider, parce que là, apparemment, logiquement, quoi, ce qu'ils utilisent chez eux, c'est des récoltes de Shemitah, d'accord? Ensuite, deuxième cas de figure, Eshet Raver, une femme de Talmid Chacham. C'est-à-dire, là, quand on parle de Khaver, c'est en rapport avec Khaver Amaretz, c'est en rapport avec les histoires de Tumot ou Masrot, peut-être que c'est une petite introduction générale. Chachamim ont décrété que même si, en théorie, le commun des gens prélève les Tumot ou Masrot, malgré tout, chaque fois qu'on prend des récoltes, chaque fois qu'on va acheter des fruits, des légumes, de personnes qui ne sont pas des Khaverim, qui n'ont pas leur Kartis Raver, comment dire, qui n'adhèrent pas au club des Tzadikim, qui ne mangent pas kasher, il y a des halakhot, comment est-ce qu'on devient, comment on entre dans ce club, eh bien, on n'a pas le droit de manger leurs fruits sans les reprélever, c'est toute une histoire, comment est-ce qu'il faut procéder. Il y a Maseret de Maï qui parle longuement que de ça, une Maseret entière qui parle de cette situation-là, comment se conduire avec la Amaretz. Il faut bien préciser que, du point de vue de la Torah, la Amaretz, on est de l'époque, hein, on parle, ils prélevaient tous les Tumot ou le Masrot, mais pas forcément comme il se doit. Ça leur arrivait d'avoir des écarts, d'arrondir des choses qu'ils ne veulent pas arrondir, des problèmes. Et de ce fait, Rami ont instauré, quand tu prends de la nourriture d'un Maharetz, tu dois reprélever tout ce qu'il t'apporte.
et même d'halakhot entière. Tu n'as pas le droit d'aller l'aider, en l'occurrence, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc en fait, moi, chez moi, tout ce qui rentre chez moi, on prélève les tourmotes ou maasrot comme il faut. On est des chavérim chez nous. Il y a maintenant la voisine qui vient demander, est-ce que ma femme peut lui prêter son tamis ou son moulin ou son four? Et la question, de nouveau avec le même principe, c'est que tu sais que tu vas lui donner maintenant, tu vas lui prêter ton ustensile pour qu'elle va utiliser des fruits qui ne sont pas prélevés selon ce qu'on soupçonne, même si selon la Torah, le rove, la majorité des Amaharetz prélèvent, malgré tout, trois mille m'instaurer que leur nourriture elle est interdite jusqu'à qu'on reprélève ou qu'on s'assure que ça a été prélevé comme il faut. Alors, en l'occurrence, on a un problème maintenant. La voisine, elle vient le demande, c'est pour, de mon point de vue, il y a un décret sur elle que je peux pas consommer tous ces fruits. Parce que ces fruits sont interdits, je ne peux pas l'aider non plus à ce qu'elle elle-même va les consommer. Je pense que c'est un interdit. Alors la méchante, elle me dit malgré tout, tu peux lui prêter. Alors, Eshet Chaver, une femme Chaver, Mash Elet l'Eshet Amaretz, elle pourra prêter une femme Amaretz, n'a pas Ougvara, de nouveau les deux formes de Tamis, ou Boreret Vetocheret ou Meraked Atima, elle pourra même cette fois-ci, à la différence du cas précédent, elle pourra même l'aider à tamiser et à moudre et à tamiser de nouveau. Boreret, c'est pour trier avec je vous ai dit, les deux formes de Tamis. Et là, donc, elle va l'aider, elle va même l'aider à tamiser aussi, elle peut faire, mais par contre, Aval Mishetatil Amaim, depuis le moment où la femme, elle va commencer à mélanger l'eau dans la pâte, toi, la femme, Chaver, tu te retires, Lotiga Ima, elle ne touchera pas avec elle, les Fishan Machazikin et des Ovra Vera, parce qu'on n'a pas le droit de soutenir, d'accompagner, d'épauler les gens qui transgressent des interdits. On explique un petit peu mieux de quoi on parle. Maintenant, une fois qu'on a vu maintenant tout le principe, on a donc, si je synthétise pour le moment, on a deux interdits qu'on parle. L'interdit de Shemitah ou bien l'interdit des fruits qui n'ont pas été prélevés. Pour la Shemitah, on était super strict. C'est-à-dire, dans tous les cas, tu as le droit de prêter les ustensiles. Ça, c'est à cause de Darkei Shalom. J'ai d'ailleurs, Vekulan lo amru elam yipne Darkei Shalom, juste la phrase. Tout ce qu'on a permis ici, c'était à cause des Darkei Shalom. Pour la bonne entente avec les voisins. On n'a pas d'intérêt à chauffer les gens pour qu'ils s'énervent contre les. À chauffer la Maharetz pour qu'ils s'énervent contre les bons juifs. Il ne faut pas les chauffer de trop, parce que sinon on va souffrir, finalement, ils vont finir par nous. Donc il vaut mieux. Il y a des choses qu'il faut, autant que possible, vivre en paix avec les voisins, dans plus ou moins d'entente, l'entraide, dans la mesure où ça n'entrave pas trop à ta pratique des mitzvot. D'accord? Donc tu as le droit de lui prêter des ustensiles. Pour l'aider, pour la juive, le voisin qui est soupçonné de ne pas bien préserver la juive, t'as pas le choix. T'es obligé de. Tu peux pas l'aider à travailler, parce que là, probablement que ses fruits sont juifs. Pour les trompettes ou maasrot, là, on a une deuxième coula. T'as le droit aussi de l'aider, dans la mesure où, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rov des Amaharetz, il prélevait quand même les trompettes ou maasrot. Donc en fait, c'est juste un problème de crainte de la minorité. Par rapport à ça, on t'a dit, tu peux même l'aider à travailler. Mais malgré tout, on se rend compte maintenant, dès qu'elle va mettre l'eau, elle va mélanger l'eau dans le tamis, là on va se retrouver dans un problème plus embêtant. Quel est ce problème? Qu'à présent on va être confronté à des problèmes d'impureté. Dès que l'eau, vous savez que dès que l'eau elle va entrer en contact avec. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais il y a toutes sortes de fruits, légumes et tout ça, pour le moment ils ne véhiculent pas la touma jusqu'à qu'on va les mouiller une première fois. Donc dès qu'elle va mettre l'eau, c'est apte de devenir tamé. Or, puisqu'en théorie, il faudrait prélever les trumot ou maasrot, dans ce cas-là, si tu mets de l'eau, ça veut faire que maintenant les ustensiles et tout ce qu'il y a dedans, dès qu'elle va toucher la pâte, tout va devenir tamé. Toi, tu n'as pas le droit d'être à ce moment-là de l'aider à travailler, parce que là, tu es en train de l'aider à rendre ce qui est censé être normalement de la trauma, à la rendre tamée, tu n'as pas le droit de le faire. D'accord? On est imposé de ne pas rendre impur de la trauma. Donc c'est la Mishnah qui nous a dit ça. Et tout ça, tout ce qu'on a permis, c'était que à cause de Darkei Shalom, parce qu'en théorie, on aurait préféré que tu fasses rien du tout, que tu aides pas. Il y a plusieurs niveaux pour aider quelqu'un qui transgresse une avéra. Il y a l'aider à faire la dernière acte, mais il y a même le pré-aider. Même si l'aider un peu plus tôt à lui favoriser le terrain pour qu'ensuite il va pouvoir faire, même ça en théorie il aurait fallu l'interdire. Seulement à cause de Darkei Shalom, on préfère ne pas le faire, ne pas interdire. Comme ça bon, on vit en paix, c'est pas grave, mais dès que tu arrives à la dernière étape, là tu es obligé de te retirer. Encore un autre dans le même principe, où Mahazikin y a des goïm majvit. Et. J'ai pas trouvé la bonne traduction du mot marsekin et d'égoïm. On va renforcer, on va épauler, on va féliciter les goïm qui travaillent pendant la juillet, c'est-à-dire en Israël, pendant la septième année, on n'a pas le droit de labourer le champ
Même si on va devoir le semer ensuite dans la 8e année, il faut attendre que la suite elle se termine, parce qu'on n'a pas le droit de travailler à la terre. Lorsqu'on voit un goy qui travaille pendant l'année de Shemitah et qui est en train de labourer, lui, la terre, elle n'a pas de kdoucha tant qu'elle est dans la main du goy, le goy il n'a pas d'interdit, il n'a aucune limite. Donc en train de dire Kola Kavod, c'est très très bien, continue, on le satisfait, on le salue même en lui disant le mot Shalom, comme ça avec la suite, Veshalin Mishloman aussi. Même en lui disant Shalom, alors que non, ouais, et tout ça, on le fait à cause de Dark Shalom. Par contre, l'Oyed Israël, il ne faut pas, en aucun cas, dire aucun mot chaleureux à un Israël qui est en train de transgresser l'interdit de la Shemitah. Là, tu n'as pas le droit de le dire, même Yépné Dark Shalom, parce qu'il est en train de transgresser un interdit, tu ne lui parles pas de ce qu'il est en train de faire. Ça ne te regarde pas, d'accord? Ouais, il n'y a pas comme quelqu'un qui va rouler en voiture pendant Shabbat, un juif qui roule en voiture pendant Shabbat, tu ne vas pas lui dire un mot gentil pendant qu'il est en train de rouler en voiture, il ne faut pas être non plus. Quand tu trouves l'occasion de lui dire un mot pour le renforcer, pour l'aider, dis-le, mais pas pendant qu'il est en train de transgresser. C'est le principe de la Mishnah. Donc, les goïms, quand ils sont en train de labourer, ils ont le droit de labourer pour eux. Et c'est parfait, tu leur dis, comme ça, en plus de ça, ils vont bien labourer leur champ, comme ça, l'année prochaine, on aura de la récolte. Toi, tu n'as pas le droit de l'envoyer pour qu'il travaille pour toi. Mais quand il est fait lui pour lui, tu le satisfais. Tu le félicites. Et même, Veshoalin Meshloman, on pourra même aussi le saluer en lui disant le mot shalom, alors qu'un des mots, le mot shalom, c'est un des shemot, c'est un nom d'Hachem. Et en théorie, on n'a pas le droit de le dire à n'importe quel goy. Mais, Mipne Derke Shalom, pour la bonne entente avec les gens, on a le droit la bonne entente avec les goyim, on a le droit de, malgré tout, on a permis de dire shalom à un goyim. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.